à tous, je suis Nathalie Layani, la directrice de la politique durable du groupe Caisse des dépôts et je suis ravie d'animer cette table ronde qui va être consacrée aux énergies renouvelables. Comment accélérer le déploiement des énergies renouvelables? C'est la question que nous allons poser parce qu'elle est au cœur, bien sûr, de l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone 2050 dont nous avons parlé pendant toute cette matinée. Et donc, pour répondre à cette question, on va croiser les points de vue avec donc Juliette Fournant, qui est Head of Business Development chez Win My Roof. Bonjour Juliette, merci d'être avec nous. Julien Marchal, qui est directeur des nouvelles énergies à la Compagnie nationale du Rhône. Merci d'être avec nous, Julien. Antoine Meffre, qui est président directeur général d'Ecotech Ceram. C'est bien ça. Merci aussi de votre présence. Et puis tout à l'heure, on accueillera un maire d'une collectivité locale, celle de Mazamet, Olivier Fabre, qui va nous rejoindre à 14h, parce qu'on a bien sûr besoin du regard des collectivités locales aussi pour traiter ces questions. Alors, pour commencer, je me tourne vers vous, Julien. On l'a vu ce matin et dans le petit film tout à l'heure. Si on veut vraiment atteindre la neutralité carbone 2050 en France, il faut qu'on double la part des ENR. Xavier Pichetzik d'RTE nous l'a dit, quel que soit le scénario, il faut doubler cette part. Comment on fait pour accélérer? Quels sont les grands enjeux pour vous? Et est-ce que du coup, vous pensez qu'on est capable d'atteindre le 1,5 degré? Vaste question. Alors, bonjour Nathalie, bonjour à tous. Effectivement, comme l'a dit Xavier Pichetzik ce matin, il faut doubler la production d'énergie renouvelable très rapidement. Et aujourd'hui, si ce discours national est plutôt bien admis, force est de constater, en tout cas c'est ce qu'on peut constater sur le terrain, que la réalité n'est pas toujours celle-là concrètement dans les projets, avec pas mal de freins encore aujourd'hui qu'on constate. Et puis globalement, si on regarde à une échelle de 5 à 10 ans, on voit que le temps de développement d'un projet renouvelable en France, il a plutôt tendance à s'allonger qu'à se raccourcir, ce qui est un vrai sujet. Donc pour moi, il y a un premier enjeu d'arriver à mettre en cohérence le discours national volontariste d'aller vite, et loin dans les renouvelables, avec la réalité de terrain où les administrations, les débats locaux prennent du temps, et avec une tendance à prendre de plus en plus de temps, et on constate aussi une complexification de certaines réglementations. Je prends un exemple tout bête, si vous le permettez. On a dû arrêter un chantier récemment chez CNR, pour cause de dérogation espèce protégée. Il y a une espèce protégée qui pouvait être sur le site. Or, on venait de démontrer avec une ONG locale que cette espèce protégée n'était pas là. Et il nous manquait 15 jours. Voilà. Pardon, c'était un projet dans quel domaine? Le solaire Du solaire, en l'occurrence. D'accord. Mais c'est des sujets qu'on retrouve sur toute une autre... Tout projet aujourd'hui renouvelable est une aventure en lui-même. Donc la réglementation pourrait être un frein? D'une certaine façon, oui. Encore une fois, ce qui change par rapport au modèle du siècle précédent, c'est qu'aujourd'hui, on rapatrie des actifs énergétiques sur notre territoire, alors qu'avant, c'était des raffineries, des extractions de pétrole et de gaz à l'étranger. Donc, ça va forcément se voir sur notre territoire. Ça va avoir un impact. Donc, il faut pouvoir les insérer dans le territoire. Donc, c'est beaucoup de dialogue et c'est aussi beaucoup de réglementation. Donc, il faut de la réglementation. Par contre, il faut qu'elle soit en ligne avec le discours national. Et aujourd'hui, si je prends le sujet de l'artificialisation des sols, si je prends le sujet des dérogations espèces protégées, si je prends le sujet de la loi sur l'eau, par exemple, qu'on peut avoir, on constate que il n'y a pas toujours d'adéquation entre le durcissement progressif de ces réglementations et la nécessité d'aller vite. Ok, donc à la CNR, vous mettez l'accent sur quel type de renouvelables? On est un acteur au vent-soleil. Donc l'eau, je pense que c'est très connu, Compagnie nationale du Rhône, on exploite les barrages hydroélectriques et la navigation sur le Rhône. Mais depuis 10 ans, on développe et on exploite aussi des actifs éoliens terrestres, donc de grande taille, et puis aussi du solaire au sol, et désormais aussi du solaire sur toiture et ombrière de parking. Toujours comme leitmotiv de rechercher des projets qui sont consensuels autant que possible sur le territoire. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous, Juliette, parce qu'il y a d'autres types d'énergie auxquels on pense moins. C'est les éoliennes sur les toits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait d'abord votre société, Win My Roof, et quels sont pour vous les enjeux pour développer ces ENR nouvelles d'une seconde génération? Oui, alors on voit pas beaucoup, bonjour à tous déjà, mais on ne voit pas beaucoup d'éoliennes sur les toits parce que tout simplement c'est très difficile de récupérer le vent sur les toits.
En fait, on ne peut pas prendre des éoliennes classiques avec un mât et des pales et puis simplement les transposer en plein milieu de la toiture. Ça ne fonctionne pas. Il y a eu beaucoup d'essais, mais aujourd'hui, rien n'a marché jusqu'à présent. Donc nous, on arrive sur ce créneau-là et avec une nouvelle technologie qui est adaptée aux contraintes des bâtiments. Donc Windmyroof a développé une éolienne de toit qui ressemble tout simplement à un cube. C'est une éolienne horizontale qu'on place sur les bordures pour profiter des vents qui remontent en s'accélérant le long des façades et s'engouffrent directement dans le module. Elles se placent les unes à côté des autres sur la façade la mieux orientée par rapport au vent dominant et ça permet donc de produire une énergie éolienne sur les toits. Alors je crois qu'on a des photos d'ailleurs, je ne sais pas si on peut les projeter pour mieux voir comment ça marche, d'accord? Oui. Donc c'est pas si intrusif que ça. Alors ça dépend des points de vue, hein. Je ne vais pas m'engager dans ce débat-là. Le fait est que, comme l'a très justement dit Julien Marchal, les éoliennes, le panneau solaire, ça se voit. On ne peut pas produire à partir de quelque chose qui ne se voit pas. Ce n'est pas possible. Et donc, autant apporter cette brique énergétique-là, là où on consomme directement. Il faut savoir que les bâtiments représentent 40% de la consommation énergétique dans l'Union européenne. Et donc, produire localement une énergie propre pour les bâtiments, c'est participer à leur transition énergétique. C'est ça. Donc, vous arrivez à mêler les deux, les enjeux d'énergie renouvelable et de rénovation énergétique des bâtiments. Très bien. On va revenir tout à l'heure sur les sujets d'acceptabilité. Et je voudrais avoir votre point de vue aussi, Antoine, qu'est-ce qui peut bloquer pour passer au doublement de ces ENR? Est-ce que pour vous, les ENR, c'est vraiment la clé pour arriver à atteindre l'objectif 1,5 degré? Où est-ce qu'il faut mettre la priorité? Et quels sont les nouveaux types aussi d'ENR vers lesquels il faut se tourner pour y arriver? Donc, en effet, la situation est un petit peu obsessionnelle. 1,5 degré, est-ce qu'on va y arriver ou pas? En tout cas, on est tous d'accord pour dire qu'il va falloir augmenter la quantité d'ENR. Donc du foisonnement, donc obligatoirement du stockage d'électricité, qu'il soit court terme, moyen terme, long terme. Donc il y aura des solutions de stockage massif d'électricité qui se feront par voie thermique. Mais on ne va pas régler le problème comme ça. Moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on continue de se fourvoyer dans les solutions à mettre en œuvre. Je m'explique. Le mix énergétique, aujourd'hui, c'est 50% d'énergie consommée sous forme de chaleur. 15% d'électricité, 35% pour la mobilité. Et oui, on oublie souvent la chaleur, en fait. On est un peu centré sur... Plus que souvent, c'est quasiment tout le temps. Ouais. Et donc, voilà. Donc déjà, premièrement, commencer par ça, quoi. OK. Et donc, de votre côté, comment vous faites pour justement récupérer la chaleur fatale? Agir sur ce trou dans le mix énergétique. On a créé une société, Cotexeram, dont le but est d'aller capter, stocker et valoriser la chaleur fatale qui est perdue dans les cheminées de fours industriels. D'accord. Uniquement dans les cheminées de fours industriels? Pour l'instant, uniquement dans les cheminées de fours industriels. C'est déjà beaucoup. Et ça représente combien en termes d'émissions? Alors, d'après l'ADEME, en France... La France ne représente qu'un pour cent du problème. Donc ça, c'est une autre crainte. C'est qu'on se focalise sur la France et qu'on oublie le reste de la planète. Mais bref, d'après l'ADEME, 100 TWh de chaleur perdue en 2021. Donc c'est 15 de moins qu'il y a 10 ans. Et 100 TWh, c'est environ 8 milliards d'euros, 24 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 2,4 millions de Français. D'accord. À 10 Donc tonnes c'est... de CO2 par Français. Donc là, on a un gisement par rapport à tout ce qu'on entend comme contrainte vis-à-vis des énergies renouvelables, la législation, l'acceptabilité publique, les gros capex, les problèmes d'assurance. Mmh. Là, il suffit de s'accorder avec le client, de lui dire « je te mets un tuyau sur ta cheminée, j'aspire tes fumées, je capte les calories, je te les renvoie dans le process, tu économises du gaz naturel et en plus, tu n'as rien à payer parce qu'on a un outil de financement auquel participe l'État qui permet de financer 100% de l'installation et l'industriel n'a plus qu'à acheter de l'énergie moins chère et décarbonée. » Et donc pour vous, ça peut être une alternative à une partie du gaz naturel? C'est un grand sujet en ce moment, en pleine crise en Ukraine. Régler les brûleurs gaz, c'est environ 10% d'économie et des ROI de quelques mois.
Valoriser de la chaleur fatale, c'est environ 20% d'économie de CO2. Et par contre, là, les ROI sont entre, on va dire, 2 et 10 ans. Et ensuite, il y a l'électrification de la chaleur. Et je dis bien ensuite, électrification de la chaleur. Et là, on peut encore baisser de, soit totalement, si on fait un four 100% élec, soit sur des fours gaz, on peut quand même alimenter en air chaud haute température qu'on a produit à partir d'électricité décarbonée. Et on peut réduire de 30%. Donc, réglage, valorisation de chaleur fatale, électrification, ça peut faire 70% de réduction. Très bien. Alors, parmi les blocages et les idées reçues quand on parle de ENR, on a parlé de l'acceptabilité. Vous pourrez y revenir si vous le souhaitez. Mais il y a aussi la question de l'approvisionnement. On entend beaucoup dire qu'on n'arrivera jamais à doubler la part de ENR dans le mix énergétique, dans le mix de consommation d'énergie au total en France, parce qu'on a un problème d'approvisionnement des matières premières nécessaires à la construction d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, etc. Juliette, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez trouvé la solution pour éviter ce problème ? Et est-ce qu'il est réel ? Alors, c'est un réel problème pour nous. L'approvisionnement, en ce moment, c'est compliqué. On a déjà pris 30% sur les prix de certains matériaux à cause de diverses crises, parce qu'il y en a plusieurs en ce moment. Il n'y a pas que l'Ukraine. Donc, 30% pour nous, c'est quand même important. Et il y a simplement d'autres pièces qu'on ne trouve plus, qu'on ne peut plus se procurer avant plusieurs mois. Et donc, ce n'est pas viable pour nous. Donc, à court terme, les solutions qu'on a trouvées, c'est faire du stock. Faire du stock, on n'a pas non plus la capacité d'en faire indéfiniment. Et la deuxième solution, c'est de remplacer les pièces qu'on utilisait et qui sont difficiles à se procurer par d'autres. Ça, c'est des solutions de court terme qu'on peut mettre en place parce que du coup, on a cette agilité dans la conception de notre produit. Mais à long terme, ce ne sera pas viable, d'autant plus si on veut s'industrialiser. Donc la solution pour nous, c'est de mettre en place des filières industrielles qui sont beaucoup plus fortes et qui permettent de se procurer toutes les pièces nécessaires et notamment sur les composants électroniques en France et pas en Asie. D'accord. Julien, même question. Et est-ce qu'on peut recycler en fait des éoliennes, des panneaux photovoltaïques ? Est-ce que c'est ça la solution pour lutter contre les problèmes d'approvisionnement ? Même question et même réponse au départ, au sens où oui, il y a des réelles difficultés d'approvisionnement aujourd'hui en panneaux solaires, en éoliennes terrestres, c'est des choses qui sont très compliquées. Par contre, je pense qu'il faut remettre en perspective, comme l'a dit Antoine, il y a un sujet d'abord de sobriété. Moins on consommera d'énergie, moins on aura besoin d'actifs de production, donc moins on aura un problème de sécurité d'approvisionnement. Et ce qui est remarquable, je trouve, c'est que le discours de Belfort du président il y a quelques mois est vraiment consensuel, c'est-à-dire sobriété, renouvelable, nucléaire et ensuite électrification, pour ne pas faire de l'électrification trop tôt dans la chaîne. Ce discours-là, il est approprié. Après, il se heurte, malgré toute la sobriété qu'on pourrait faire, à des problèmes réels de dépendance industrielle. Aujourd'hui, si on a du mal à s'approvisionner en panneaux solaires, c'est parce qu'ils sont tous fabriqués en Chine, que ça fait 15 ans que tout le monde le sait. Et que tant qu'on ne changera pas les règles microéconomiques qui ont conduit à ce résultat-là, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Là où je suis raisonnablement optimiste, c'est qu'avec la crise énergétique qu'on connaît et la difficulté qu'on a eue depuis 6 mois à faire venir des panneaux et de l'acier de Chine, compte tenu du confinement qu'il y avait là-bas pour le Covid, il y a eu une réelle prise de conscience. Donc maintenant, je pense qu'il y a une volonté partagée d'agir pour recréer des usines et modifier profondément la chaîne de valeur en France et plus généralement en Europe. Donc vous voyez ces usines, ces filières émerger en France ? On va encore avoir besoin d'importer produits de Chine pour... La volonté est là, je pense qu'elle est très consensuelle. Après, modifier les règles microéconomiques pour arriver à les faire naître et qu'elles soient rentables, ça c'est plus dur. Donc ça va peut-être passer par des taxations aux frontières, ça peut passer par prendre en compte le carbone importé dans le jugement des appels d'offres entre les différentes renouvelables que fait le régulateur. Voilà, il y a plein de manières de faire. On peut subventionner aussi les usines, ce que l'Union européenne veut faire pour les batteries, on peut très bien le faire pour le solaire. Nous, en tant qu'acheteurs de panneaux ou acheteurs d'éoliennes, on est soumis à la concurrence. Donc on achètera des panneaux européens que s'ils sont compétitifs par rapport aux panneaux qui viennent d'ailleurs. On est comme tout le monde. Et pour répondre à votre question sur le recyclage, en bout de chaîne, il faut aussi qu'on apprenne à recycler.
Aujourd'hui, les premières installations éoliennes, il commence à y avoir des démantèlements de parcs éoliens français puisqu'ils sont en fin de vie. Dans 5 ans, il y aura le même sujet sur le solaire. Il est quand même plus naturel d'essayer de réutiliser tous les métaux et toutes les composants critiques qui sont déjà dedans plutôt que de les renvoyer en Chine ou en Afrique pour être détruits et c'est devoir ça. Réimporter des nouvelles matières de Chine. Ça paraît logique. Antoine, est-ce qu'il y a les mêmes problèmes d'approvisionnement et de ressources en matières premières pour récupérer la chaleur fatale ? Ou est-ce que finalement, la solution que vous développez permet de contourner le problème ? Alors, en effet, on est impacté, mais dans une moindre mesure, étant donné que pour faire ce qu'on fait, nous, c'est essentiellement de l'acier et des céramiques. Donc, du coup, ça, c'est produit en France. La partie un petit peu sensible, c'est tout ce qui est carte électronique pour l'automatisme. Donc, oui, il faut faire du stock, mais oui, il faut réindustrialiser la France intelligemment et avoir la capacité de faire des circuits imprimés, des cartes, des automatismes dans le 6e ou 7e pays le plus puissant du monde, entre guillemets. Quoi. Et alors, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de sobriété, notamment ce matin. Hein, tout le monde en a parlé, Valérie Masson-Delmotte, l'ADEME, RTE, etc. La sobriété, c'est presque un problème pour vous, puisque ça veut dire développer un peu moins votre business. Je suis provocatrice à dessein. Comment vous intégrez cet enjeu justement de sobriété, d'efficacité énergétique dans vos business models ? Antoine, je crois que vous vouliez réagir à ça. Non ? Dans mon business model, dans celui qu'on propose aux consommateurs ? Oui, c'est ça. Eh bien, nous, c'est notre leitmotiv. Hein. On a créé l'entreprise pour ça. Et en fait, en gros, on va voir les industriels et on leur dit vous avez un métier, très bien, vous faites de l'acier, vous faites de la céramique, vous faites du verre. Vous perdez environ 30% de l'énergie que vous consommez. Nous, on est là. Notre mission, nous, c'est d'économiser du CO2. On ne peut pas y arriver tout seul, donc on a besoin de vous. On sait que vous êtes stressé, que vous avez la pression, donc on vous facilite la vie. On a un outil qui va financer 100% des infrastructures et une équipe qui va dimensionner la solution, l'acheter, la mettre en œuvre, l'exploiter, de manière à ce que vous n'ayez qu'une chose à faire, acheter de l'énergie moins chère que d'habitude et décarbonée. Mmh. Donc voilà, c'est ça notre leitmotiv. Et en parallèle, on s'occupe de faire changer la réglementation parce qu'il y a des aberrations sur le fonds chaleur notamment, sur les fiches C2E. On essaie d'articuler ça aussi et à la fin, on fait équipe avec le BPI, l'ADEME, j'espère avec la Banque des Territoires bientôt, et que cette transition se fasse rapide et efficacement. Quoi. Message reçu pour la Banque des Territoires notamment. Alors, je crois qu'on a Olivier Fabre, le maire de Mazamé en duplex. Est-ce qu'il est bien avec nous ? Bonjour, monsieur le maire. Merci beaucoup de participer à notre table ronde sur un sujet essentiel hein, aussi pour la transformation écologique des collectivités locales. Alors, vu de votre collectivité, comment vous intégrez en fait les énergies renouvelables et qu'est-ce qu'il vous faudrait pour accélérer ? Est-ce que ce sont des financements ? Est-ce que ce sont des réglementations ? Qu'est-ce qui vous manque pour changer d'échelle ? Alors d'abord, ce qu'il faut le dire, c'est qu'il y a une acceptabilité qui est très différente selon l'énergie dont on parle. Je suis sur un territoire qui fait depuis très longtemps de l'hydroélectricité. La ville de Mazamé elle-même a une centrale hydroélectrique et va en développer 3 de plus. Donc la difficulté en la matière, c'est pas vraiment l'acceptabilité. Les habitants sont très favorables. Je ne dis pas qu'on n'a pas parfois quelques discussions avec certaines associations de pêche et de protection des milieux aquatiques, mais globalement, ça se passe bien. Là, en revanche, effectivement, les procédures sont extrêmement longues et lourdes et il y a quasiment 2 années de travail administratif pour pouvoir espérer peut-être démarrer les travaux, y compris sur une micro-centrale, donc sur un équipement relativement modeste. Le deuxième angle qu'on a, c'est évidemment le photovoltaïque. Et donc là, on a entrepris une démarche qui est une démarche globale. Elle est d'ailleurs soutenue par la Banque des Territoires, puisqu'on fait de l'intracting sur une vingtaine de bâtiments municipaux. D'ailleurs, on signera une convention cette semaine. Oui. Pardon, je vous interromps, mais est-ce que vous pouvez juste expliquer à tout le monde ce que c'est que l'intracting ? Parce qu'il y a des gens qui sont connectés en ligne, qui ne sont pas forcément des experts.
Alors, le balling tracking, en fait, c'est un diagnostic, si vous voulez, dynamique, en fait, des bilans énergétiques de nos bâtiments, parce que sur une collectivité comme Mazamé, qui est une ville qui a une histoire assez ancienne, on a un patrimoine de bâtiments très important, et finalement, peu de bâtiments récents. Ce sont souvent des bâtiments très anciens, qu'on entretient du mieux qu'on peut, mais qui aujourd'hui font face à des défis énergétiques qui sont colossaux. Et donc, c'est un diagnostic global que nous pouvons faire et qui peut être financé en partenariat avec la Banque des Territoires pour pouvoir donc isoler, mieux piloter nos dispositifs de chauffage ou de régulation thermique. Et j'en viens justement à la production d'énergie renouvelable, étudier la faisabilité de pouvoir recouvrir l'ensemble de ces toitures de panneaux photovoltaïques avec des perspectives sur Mazamé qui sont de l'ordre de presque 4 MW que nous pourrions produire en Crète si nous équipions l'ensemble de ces bâtiments de panneaux photovoltaïques. Donc c'est un enjeu qui est considérable et que nous souhaitons pousser et développer. D'accord, donc pas de problème d'acceptabilité à Mazamé ? Alors, c'est pour ça que je disais qu'il fallait distinguer les différents types d'énergie. Sur l'hydroélectricité, pas de difficulté. Sur le photovoltaïque, pas de grosses difficultés, si ce n'est qu'il faut être prudent en termes d'architecture. Et les bâtiments de France veillent au grain par rapport à l'aspect que peuvent avoir les toitures. Et on peut le comprendre aussi. On a une typicité de toiture dans le sud de la France faite de tuiles rouges. Et évidemment, on ne peut pas noircir l'ensemble des toitures et donner un paysage aérien qui serait entièrement noirci par des panneaux photovoltaïques. Donc, il est normal qu'il y ait une régulation à ce niveau-là et que les bâtiments de France y veillent. Et en tant qu'élu, j'y suis aussi très sensible. En revanche, il y a une énergie renouvelable sur laquelle il y a une très faible acceptabilité aujourd'hui, c'est l'éolien. Il y a une véritable hostilité des populations. On est un territoire qui a déjà beaucoup donné pour l'éolien, y compris au sein d'un parc naturel régional. Et il y a une vraie saturation des populations par rapport à ça et une vraie difficulté à accepter que des équipements qui peuvent être considérés parfois comme nécessaires, même s'il y a des débats là-dessus, soient installés dans des sites qui sont des sites souvent naturels, remarquables. Et là, ça pose un vrai problème d'acceptabilité. Voilà. L'éolien en zone industrielle, pourquoi pas. L'éolien en site naturel, aujourd'hui, il y a des secteurs, le Haut-Languedoc en fait partie, mais comme d'autres, hein, je pense au Hauts-de-France, où je crois que le seuil d'acceptation, le seuil de tolérance a été atteint. Merci beaucoup. Et sur la partie financement, est-ce qu'il y a encore des blocages auxquels vous êtes confrontés ? Vous disiez que vous aviez recours au financement de la Caisse des dépôts et de la Banque des Territoires. Est-ce que ça répond vraiment aux problématiques auxquelles sont confrontées les collectivités locales, notamment aux problématiques budgétaires ? Alors, les dispositifs sont quand même intéressants et attractifs, il me semble. Ensuite, se pose évidemment la question de la rentabilité de ces opérations. Donc là, on a un calcul qui est celui que pourrait avoir toute entreprise en se disant, voilà, on va faire un investissement sur des panneaux photovoltaïques. Quel est le retour sur investissement? Quelle est sa durée? Est-ce qu'il est supportable par la collectivité? Est-ce qu'on accepte d'avoir une rentabilité qui sera une rentabilité nette, mais seulement d'ici 5, 10 ou 15 ans? Ça, c'est un véritable calcul économique. Mais je ne crois pas que ce soit le vrai problème aujourd'hui de financement des collectivités. Je crois que la difficulté aujourd'hui, c'est que les collectivités, elles font face à des transferts de charges souvent importants de la part de l'État. Je prends l'exemple des documents administratifs et des documents d'identité. Et dans le même temps, avec des coupes budgétaires qui ont été très fortes en 2014, et aujourd'hui des augmentations de charges liées à un phénomène inflationniste que vous avez probablement évoqué durant cette journée, et qui fait que nos budgets seront très contraints avec très peu de leviers fiscaux, puisqu'il ne nous reste en gros qu'un seul levier qui est celui de la taxe foncière. C'est plutôt ça la difficulté aujourd'hui, plutôt que l'incitativité, on va dire, à aller vers tel ou tel dispositif d'énergie renouvelable. Il me semble qu'à l'échelle d'une collectivité, en tout cas les premiers calculs qu'on a pu faire, l'idée du photovoltaïque sur les bâtiments municipaux ou l'idée de micro-centrales hydroélectriques sur les cours d'eau que nous avons, sont des choses qui peuvent s'amortir et se rentabiliser dans des délais qui sont très acceptables. Bon, on va revenir à la question des financements parce que je crois qu'elle est nodale. Je vous invite à poser vos questions à nos experts. Hein. Là, vous avez là un panel de solutions assez innovantes.
Alors, je vois deux mains qui se lèvent. On va vous passer les micros. Bonjour. Alors, je voudrais juste savoir comment vous traitez le problème de l'intermittence, qui pour moi est un obstacle majeur au déploiement du solaire ou de l'éolien, puisqu'on a besoin de l'électricité en permanence. On ne peut pas se permettre d'arrêter nos entreprises ou d'arrêter aussi de simplement de se chauffer la nuit parce qu'il n'y a pas de soleil. Donc, comment on traite ça sans avoir recours aux centrales à gaz ? Excellente question. Qui veut répondre ? Je peux prendre le pari de répondre, même si ce serait plutôt au gestionnaire de réseau de vous donner les arguments plus précis. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de CNR, on est un acteur au vent-soleil, mais même l'eau, c'est l'eau du Rhône. Le débit du Rhône, il varie tous les jours. Donc on a des sujets d'équilibrage dans notre périmètre de production. Et bien sûr, le solaire ne produit pas la nuit et l'éolien, il peut y avoir des semaines entières où ça produit très peu. Néanmoins, le foisonnement aujourd'hui à l'échelle nationale, enfin tous les rapports d'RTE et des experts le disent, il n'y a pas de problème à gérer aujourd'hui la variabilité des différentes énergies renouvelables. Il y en aura, c'est ce que dit également RTE, il y en aura dans 20 ans. Quand la quantité d'énergie renouvelable sera très importante et que le nucléaire, qui est aussi une énergie qu'on peut faire varier, mais pas instantanément, il faudra arriver à conjuguer tout ça. D'où le sujet du stockage à l'hydrogène que mentionne RTE, d'où le sujet des batteries. Aujourd'hui, il y a 600 MW de batteries qui sont en train de s'installer en France pour gérer pour faire du service réseau, donc pour aider à gérer la variabilité. D'où l'aspect pilotage de la demande. On va avoir des consommateurs qui vont devoir et être rémunérés pour pouvoir faire varier leur consommation en venant en appui de la production. Et puis le dernier levier, c'est le renforcement des interconnexions. De mémoire, il y a dû avoir une interconnexion entre la France et le Royaume-Uni qui a dû être mise en service il y a 3 mois. Elle fait 1000 MW, donc elle est plutôt assez grosse. Plus on arrive à créer ces interconnexions, plus on peut foisonner l'ensemble des énergies renouvelables à l'échelle continentale. Et puis bien sûr, en dernier ressort, après, c'est les centrales thermiques qui font l'ajustement quand il y a besoin. Mais finalement, si en dernier ressort, il faut quelques dizaines ou centaines d'heures par an de centrales thermiques pour faire les ajustements entre le nucléaire et les renouvelables, avec tout l'effort de sobriété qu'on aura fait, c'est finalement plus un problème d'un point de vue climatique. Aujourd'hui, pour revenir sur le sujet d'Antoine, le principal facteur d'émission de CO2, ce n'est pas l'électricité en France, hein, c'est le chauffage. Alors justement, Antoine, l'intermittence. Ouais, merci. Donc pour régler le problème, ce n'est pas si compliqué que ça. Règle numéro 1, il faut interconnecter. Alors entre pays, certes, mais aussi entre les différents vecteurs. Le vecteur de l'électricité et le vecteur de la chaleur. Tous les travaux scientifiques démontrent qu'en couplant les réseaux d'électricité et les réseaux de chaleur, on atteint l'optimum technico-économique en termes d'infrastructures et de services réseau. Premièrement. Deuxièmement, il faut du stockage de chaleur. Okay. Le stockage de chaleur peut permettre de faire de la value chain fatale, comme on l'a dit tout à l'heure, peut permettre de faire du power to it, c'est-à-dire qu'on peut consommer une électricité excédentaire à faible valeur ajoutée, pour la transformer en chaleur, haute température ou basse température, et la restituer au moment où on a besoin. Le stockage de chaleur peut permettre aussi de transformer la chaleur fatale en électricité décarbonée au moment où on en a besoin. Et le stockage de chaleur, enfin, peut permettre de faire du stockage massif d'électricité. Et là, je m'adresse tout particulièrement à la Caisse des dépôts et à la Banque des territoires, qui sont des acteurs qui peuvent investir dans les barrages hydroélectriques, qui ont investi dans les barrages hydroélectriques. Qui ont investi. Voilà. Eh bien, en France, on va galérer jusqu'à la fin pour faire des nouveaux barrages hydroélectriques. Avec du stockage thermique, on peut faire une infinité de barrages hydroélectriques. C'est la bonne nouvelle de la journée. On peut faire une infinité de barrages hydroélectriques. On fait juste que la Commission européenne nous laisse les faire. Non, mais il n'y a pas besoin de... C'est pas compliqué. Il faut un peu de mètres carrés. Et on empile des montagnes de céramique qu'on va chauffer avec des énormes sèche-cheveux industriels. Et ensuite, on va brancher ça sur des turbines vapeur qui sont déjà existantes dans les centrales thermiques ou qu'on va continuer de construire et installer. Donc il n'y a absolument aucun verrou technique pour stocker une infinité de mégawattheures, de gigawattheures, de terawattheures d'électricité quand vous voulez, quasiment où vous voulez. C'est juste une question d'argent, c'est tout. Il n'y a plus aucun verrou technique. Intéressant, ça permet de déconstruire aussi certaines idées reçues. Juliette, vous voulez intervenir sur la question de l'intermittence ?
Oui, alors nous, il faut savoir qu'on raisonne à l'échelle du bâtiment et pas du tout à l'échelle du mix énergétique, puisque ce n'est pas du tout les mêmes niveaux de puissance qu'on développe. Et donc, on participe à l'autonomie énergétique des bâtiments grâce à notre solution, mais on ne vise pas à remplacer le mix standard français. L'intérêt de notre solution, c'est qu'on ne met pas forcément que de l'éolien, mais on couple avec du solaire en haut de notre twin box, ce qui permet d'avoir deux sources qui sont totalement complémentaires, puisque l'éolien sera plus fort en hiver, le solaire plus fort en été, ce qui permet de ne pas autoconsommer que 6 mois pendant l'année, mais bien toute l'année. Oui, donc la solution contre l'intermittence, c'est de coupler les énergies, en fait. Oui, alors pas une solution totale hein, à l'intermittence. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais à l'échelle d'un bâtiment, Exactement. Ça peut permettre d'y arriver. Alors, je crois qu'il y avait une autre question. Merci. On parle des énergies renouvelables classiques, mais je n'ai pas entendu ni la méthanisation, ni la géothermie, oui, soit de profondeur, soit de surface, qui pourtant, plutôt pour M. le maire, pourrait être une solution intéressante et acceptable. Absolument. Alors, M. le maire, est-ce que la géothermie, la méthanisation, ce sont des sources d'énergie renouvelable que vous utilisez à Mazamet ? Alors, nous, au niveau municipal, non, pas à ce jour. La méthanisation, il y a certaines exploitations agricoles qui s'y sont très largement engagées depuis maintenant quelques années. La géothermie peut, et je vous avouerai qu'on a peu testé quelles pourraient être nos capacités en la matière. Et je trouve la remarque pertinente, effectivement. C'est vrai que c'est peut-être des pistes qui sont parfois un peu méconnues et qui sautent peut-être moins aux yeux que d'autres, effectivement. Ça pourrait, c'est des questions qui mériterait d'être creusée un peu plus largement. Monsieur, vous êtes actif dans ce secteur ? Non ? Parce que vous pouvez peut-être nous dire... D'accord, très bien. Bon, je comprends que sur la méthanisation, il y a eu quand même quelques problématiques. Donc c'est un secteur qui a besoin de se transformer. Mais en effet, dans ces nouvelles sources d'énergie renouvelable, on n'oublie pas tout ce qui est biomasse et méthanisation. Ouais, peut-être juste pour mentionner, alors c'est encore au stade de l'innovation, mais sait-on jamais, les innovations parfois ça débouche sur des succès industriels. CNR a investi dans a créé un partenariat avec une petite entreprise qui fait de l'énergie osmotique pour créer de l'électricité à partir de la différence de salinité entre l'eau de la Méditerranée et l'eau douce qui vient du Rhône au moment où elle se mélange. Donc tout ça pour dire que vous avez raison de mentionner toutes les énergies, parce que c'est dans la pluralité que la force se fera, et c'est aussi par la pluralité qu'on gère l'intermittence. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi j'en ai une, et il y en a aussi en ligne. Alors il y a une question sur l'hydrogène. Quel est votre avis sur l'hydrogène ? Et moi, j'aurais une autre question qui me paraît centrale, c'est comment vous faites face aux problématiques de prix ? On en a parlé ce matin. Emmanuel Legrand de la Banque des Territoires disait que si on veut vraiment doubler la part des ENR dans le mix français, il fallait organiser la stabilité des prix des énergies renouvelables. Voilà. Donc, premièrement, sur l'hydrogène, est-ce que vous pensez que l'hydrogène doit être renforcé, qu'on va pouvoir développer cette énergie dans les toutes prochaines années ? Et deuxièmement, sur le prix, quelles sont vos attentes ? Antoine. Donc, rapidement, l'hydrogène, à ce jour, fournit des mégawattheures qui sont hors de prix. Okay ? Donc les deux questions sont liées. Donc complètement hors de prix. L'énergie et notamment l'argent que dépense l'État dans la filière hydrogène ne paraît pas logique vis-à-vis du raisonnement qu'on peut avoir pragmatique sur le problème, c'est la chaleur, et le problème, c'est la réduction de la consommation. C'est là-dessus que l'État doit mettre de l'argent. Après, elle peut mettre un peu d'argent dans l'hydrogène, pourquoi pas, mais on va probablement jamais rouler à l'hydrogène, on va probablement jamais reproduire d'électricité à l'hydrogène. Alors, c'est pas ce qu'on disait ce matin dans la table ronde sur les transports. Je sais, mais tout le monde dit ça. Mais en fait, l'hydrogène, le seul et unique débouché qu'on voit à l'hydrogène sur le terrain, je parle avec les industriels et les compagnies, c'est dans les brûleurs. C'est là, on fabrique de l'hydrogène et on le met dans les brûleurs. Et c'est là que, en fait, il a un avenir, parce qu'il remplace directement quelque chose qu'on ne peut pas remplacer autrement. Mais sinon, on va réduire le poids des voitures, on va faire des voitures électriques, mais on ne va pas rouler hydrogène et on ne va pas faire d'électricité à hydrogène. Ce ne sera jamais rentable, quoi. Et sur la problématique des prix, Antoine, de votre côté, qu'est-ce que vous attendez ? La problématique des prix de l'énergie renouvelable en fonction de l'heure de la journée ?
Honnêtement, je ne suis pas spécialiste. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette variabilité, elle induit un prix faible, un prix haut, et qu'avec de l'intelligence artificielle et des algorithmes que plein d'entreprises sont en train de développer, et notamment Ecotec Ceram, on peut, justement, en couplant les réseaux chaleur-électricité, générer des mégawattheures pas chers dans un sens ou dans l'autre. Et donc, il y a une vraie stratégie digitale pour optimiser cette variabilité du prix de l'énergie. On ne peut pas lutter contre la nature. De mon point de vue, il y aura toujours de la variabilité. Et en fait, il ne faut pas la craindre. De mon point de vue, il faut s'en servir comme un moteur à la compétitivité. Quoi. Monsieur le maire, sur les prix et l'hydrogène, vous vouliez réagir ? Alors, on a pu avoir des contacts avec des sociétés qui se lancent aujourd'hui, qui investissent dans l'hydrogène. Moi, je trouve que ça peut avoir du sens. Alors après, effectivement, les coûts de production sont à regarder. Ceci dit, l'idée, alors j'ai entendu ce qui vient d'être dit il y a quelques minutes sur la question du stockage, mais l'hydrogène a quand même, à mon sens, a du sens du moment où il est généré à partir d'une production électrique qui est issue du renouvelable. Et alors là, pour le coup, il me semble qu'on a des sites potentiels sur ma ville, Mazamet, mais sur un environnement, on va dire, régional, qui peuvent tout à fait s'adapter à cette production d'électricité renouvelable qui peut servir ensuite à fabriquer de l'hydrogène. Et il me semble que c'est quand même aussi une façon, quelque part, de stocker du renouvelable. Très bien. Alors, on a une question dans la salle. Je vous en prie, monsieur. Oui, c'était plutôt une intervention sur le sujet de façon à être moins péremptoire que ce qu'on a pu entendre sur une forme d'énergie, parce que quand on regarde les territoires et la façon dont ils s'adaptent à la fois à leurs ressources locales et puis aux projets qui font sens pour eux, l'hydrogène va faire partie de la palette. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce que disait le maire de Mazamet, c'est vrai qu'on veut produire de l'électricité verte, mais il faut aussi l'utiliser. En observateur des territoires, quand on regarde par exemple ce qui se passe en Vendée, à l'initiative du syndicat départemental d'électricité qui, avec une boîte privée qui s'appelle LIFE, a fait d'un pôle de production ENR à partir d'éolien, puis dessalement d'eau de mer et... comment on appelle ça ? Je ne trouve plus le mot. On transforme l'eau en... Excusez-moi, j'ai oublié le mot. L'électrolyse, ouais, c'est quand même ça le principe. Hein. On électrolyse l'eau de mer qui a été dessalée et ils produisent de l'hydrogène qui va servir à quoi ? À des flottes locales. Je veux dire, c'est les bennes ordures ménagères, le transport, mais jamais de la vie, ils ont dans la tête qu'ils vont offrir aux ménages de La Roche-sur-Yon et autour de quoi voyager avec. Même si Renault va sortir un nouveau Scénic en 2030 qui sera électrique, plus ce qui a été dit ce matin par Virginie Vincent Delmotte, il sera mixte, il y aura une petite pile à hydrogène qui accélérera, enfin qui permettra une plus grande autonomie encore. Donc encore une fois, l'hydrogène, c'est peut-être un monde, un continent pas très développé, mais quand on regarde partout ce qui se pose dans le monde entier, il se passe des choses. Hein. Moi, je n'oublie pas que Bill Gates et sa fondation veulent produire de l'hydrogène à 1 $ le kilo, et quand ce sera à 1 $ le kilo, vous verrez que vous changerez d'avis. Oui. Bien, on prend les paris. Alors, il nous reste 2 minutes. Je tiens à vous poser une dernière question à tous les quatre. On a un nouveau gouvernement. On a désormais une ministre chargée de la transition énergétique que nous avons entendue ce matin. Si vous aviez une requête à faire à la ministre ou au gouvernement, quelle serait-elle ? Qui veut commencer ? Est-ce que d'abord, on a encore des requêtes à faire au pouvoir public ? Est-ce qu'il y a déjà trop de réglementations ? Je veux bien me lancer. Alors, ma réponse va peut-être être un peu iconoclaste. La question est faite pour ça. Je pense qu'un ministre nouvellement désigné, pardon, il devrait prendre le temps de se former. Parce que souvent, il découvre des périmètres qu'il pense peut-être maîtriser, mais qu'il ne maîtrise pas forcément. Donc, prendre le temps de se former, et là, l'été, pour le coup, peut être mis à profit pour ça. Comprendre sur chacun des secteurs, si je prends le ministre de la Transition écologique, il va devoir gérer les sujets de recyclage, d'économie circulaire, les sujets des parcs naturels, autant de sujets très, très vastes. Et donc, comprendre sur chacun de ces grands sujets quelle est la vision qu'il veut donner, quels sont les buts qu'il veut donner à horizon 5 à 10 ans.
Et ensuite, à partir de la rentrée, vraiment se faire happer entre guillemets par le quotidien, mais pouvoir après le faire sur la base d'une vision qu'il aura établie. C'est finalement pas très différent de ce que fait un dirigeant d'entreprise quand il prend des nouvelles fonctions dans une entreprise. Et après, donc la manière peut-être concrète de à la rentrée, ce sur quoi il devrait mettre l'accent, pour moi, c'est le sujet de la sobriété dont on a parlé. On va avoir un hiver qui est très très difficile. C'est ce qu'elle a dit ce matin, Agnès Pannier-Runacher. Hein. On a un grand enjeu d'efficacité, moins 10% d'ici 2030, moins 40% ensuite. Juliette, une requête ? Je suis totalement d'accord sur ce propos de formation. Et d'ailleurs, c'est bien que certains députés aient fait ce travail aussi avec la nouvelle Assemblée. Pour parler de mesures qui sont faciles à mettre en place, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place sur la mobilité, que ce soit par des subventions pour utiliser plus de vélos électriques, que ce soit par une taxation plus forte des vols en France, qui sont quand même une aberration de ne pas taxer ça de façon assez forte. Donc internaliser le prix du carbone, c'est ça, sans créer de crise des gilets jaunes. Oui. Pour l'avion, on a peut-être une chance d'échapper. Les personnes qui prennent l'avion sont généralement aisées et ce n'est pas normal de se rendre à 5 euros à l'autre bout de la France. Donc ce serait pas mal d'agir là-dessus. Et il y a une mesure qui est simple aussi à mettre en place et qui est un peu plus difficile à faire accepter, je pense, c'est d'agir sur la vitesse sur les routes, puisqu'on peut très bien la baisser et ça permettrait d'économiser pas mal de carbone. Donc c'est autant de choses à mettre en place. Donc priorité au secteur des transports, le plus émetteur en France. Antoine ? Oui, donc déjà, désolé si j'ai été péremptoire. on est là pour débattre. Pas de c'est mais l'hydrogène, c'est un sujet qui réveille les passions. Ah, ouais, ouais. Mais en fait, moi, si j'ai une recommandation à faire à notre ministre, c'est de prendre des décisions de manière scientifique et pragmatique. Je m'explique. Le PIB de la France dépend de sa consommation d'énergie. Oui. Le prix de l'énergie est dépendant du taux de rendement énergétique. Le taux de rendement énergétique, c'est combien de barils de pétrole je vais arriver à produire avec un baril de pétrole en fonction de si je suis en Arabie Saoudite ou si je fais des sables bitumineux. Donc, plus le taux de rendement énergétique est élevé, plus le prix de l'énergie est bas. Plus le prix d'énergie est bas, plus on peut en consommer, plus on peut croître. Donc le défi, c'est comment on fait pour avoir accès à l'énergie qui a un taux de rendement énergétique élevé et qui soit décarboné. La solution, c'est la décarbonation, c'est valoriser les énergies perdues, c'est faire de la sobriété. Donc, je pense que notre ministre devrait prendre la liste des actions qu'elle peut mettre en œuvre pour améliorer notre problématique de mix énergétique, les classer par ordre de IROI, donc taux de rendement énergétique décroissant, impact environnemental, rendement économique. Elle fait une pondération là-dessus et là, elle investit de manière proportionnelle au classement de ces différentes solutions. On va lui relayer tout ça. Monsieur le maire ? Non, je rigole pas. Je vais quand même réagir sur ce qui a été dit sur l'avion. Vous avez des régions en France, c'est Castres-Mazamé. Si vous êtes à Castres-Mazamé, si vous êtes à Perpignan, vous n'avez pas de choix aujourd'hui pour vous rendre à Paris. Vous pouvez essayer de prendre le train. Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout d'avoir beaucoup de temps devant vous pour aller à votre réunion. Et vous ne pouvez pas faire autrement que d'emprunter un vol intérieur. Donc, on ne peut pas faire des généralités en faisant fi de la réalité des territoires. Et même chose pour la vitesse. Et je rappellerai que l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur route nationale a provoqué les crises sociales que vous avez évoquées. Moi, ce que je dirais à la ministre, je lui dirais deux choses. C'est d'abord de faire preuve de pédagogie, parce que je pense que nos concitoyens n'y voient pas toujours très clair et c'est parfois un peu confus ce qu'on peut leur dire entre le nucléaire, on ne sait plus, les centrales, elles ne sont pas entretenues, elles le sont, on en a arrêté, on va reconstruire. Les éoliennes, ça produit pas beaucoup. Il faut de la pédagogie pour expliquer le contexte global et expliquer en quoi un schéma vertueux est aussi bon concrètement pour chaque citoyen dans son pouvoir d'achat, parce que je crois que ça, c'est très important. Et puis, il faudra que la ministre fasse preuve d'écoute, parce que la transition énergétique, la transition écologique, elle ne peut pas se faire
contre les citoyens. Elle ne peut pas se faire à marche forcée. Elle doit se faire en étant convaincant. Et je suis sûr qu'avec les bons arguments, en étant, ça a été dit, rationnel, scientifique, parce que je crois encore que les Français ont quand même un petit fond de cartésianisme en eux, en tout cas je l'espère, je pense qu'on peut convaincre les gens et qu'on peut susciter une adhésion et qu'il y a un vrai mouvement qu'il y a un vrai mouvement citoyen pour accompagner cette transition. Sans ça, on ira de déconvenu en déconvenu. Et il n'est pas dit qu'on fasse la transition, mais par contre, il est certain qu'on aura des mouvements sociaux très importants. Donc voilà, pédagogie et écoute, c'est ce que entendu. Je lui conseillerais. On lui relaiera aussi. Alors, je vous relais juste deux commentaires sur le chat et puis avant qu'on conclue notre table ronde. Un premier qui est qu'il faut absolument intégrer les réseaux de chaleur et froid dans les objectifs de décarbonation, avec une question sur est-ce qu'ils sont vraiment bien inclus dans la stratégie nationale bas carbone. Il me semble que oui, mais voilà, c'est moins connu. Et une deuxième remarque sur est-ce que finalement il ne faut pas adapter les mix énergétiques aux spécificités locales, aux spécificités régionales. Toutes n'ont pas la même exposition au vent, au solaire, etc. Ça paraît en effet être une bonne idée. Voilà, sur ces belles propositions riches, je vous propose qu'on en reste là, qu'on poursuive la discussion autour d'un café avant de repartir en plénière. Merci infiniment à tous. Et donc, on relaiera toutes vos propositions de notre côté, à la Banque des Territoires et du côté du gouvernement. Merci beaucoup. Merci.